Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, en cette 101e journée mondiale du migrant et du réfugié, qui a pour thème « Église sans frontières, mère de tous », je suis heureux d'accueillir ce soir dans cette cathédrale des représentants
des différentes missions et aumôneries des catholiques d'origine étrangère présentes à Paris, de 35 nationalités, pour rendre grâce de leur présence et de leur vitalité. Au cours de ces années, plusieurs d'entre elles ont fêté des anniversaires significatifs, comme par exemple les 100 ans de la mission espagnole, et un bon nombre d'entre elles célèbrent leur 60e anniversaire, puisqu'elles sont nées de l'application d'une constitution apostolique du pape Pie XII. Et en particulier cette année, nous fêtons les 60 ans de l'aumônerie malgache et les 30 ans de la paroisse portugaise. Différentes chorales appartenant à ces communautés ont commencé d'animer notre liturgie et vont le continuer tout au long de la messe. C'est pour nous une occasion de prendre la dimension universelle de l'Église, non seulement à travers le monde, mais encore comme elle est présente ici à Paris. Nous prierons évidemment en communion avec nos frères philippins qui ont eu la grâce d'accueillir le pape tous ces jours-ci, et nous aurons une prière toute particulière pour les victimes des migrations en mer Méditerranée au cours des mois écoulés. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, ten piedad.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele». Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire». In realtà Samuele, fino allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire. E se ti chiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Prendiamo, grazie. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu
Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abriste-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. Eu está escrito no livro da lei que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Eu venho. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabes. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamei a vossa fidelidade e salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.사도 바울의 고린도 일서 말씀입니다. 형제 여러분, 몸은 불륜이 아니라 주님을 위하여 있습니다. 그리고 몸을 위해 주시는 분은 주님이십니다. 하나님께서 주님을 다시 일으키셨으니 우리도 당신의 힘으로 다시 일으키실 것입니다. 여러분의 몸이 그리스도의 지체라는 것을 모릅니까? 주님과 결합하는 이는 그분과 한 영이 됩니다. 불륜을 멀리하십시오. 사람이 짓는 다른 모든 죄는 몸 밖에서 이루어지지만 불륜을 저지른 자는 자기 몸에 죄를 짓는 것입니다. 여러분의 몸이 여러분 안에 계시는 성령의 성전임을 모릅니까? 그 성령을 여러분이 하느님에게서 받았고 또 여러분은 여러분 자신의 것이 아님을 모릅니까? 하느님께서 값을 치르고 여러분을 속량해 주셨습니다. 그러니 여러분의 몸으로 하느님을 영광스럽게 하십시오. 주님의 말씀입니다. 할렐루야, 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 할렐루야. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai.
Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Et il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jean, à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux que cette célébration nous donne l'occasion de nous réunir dans la prière, non seulement en intention, comme nous le faisons chaque dimanche dans nos différentes communautés, mais encore physiquement par notre présence ici ce soir avec les prêtres et les diacres de différentes communautés qui vivent à Paris, et je suis heureux d'accueillir l'évêque auxiliaire de Montréal qui se joint à notre concélébration. Après la célébration du baptême du Seigneur que nous avons fêté dimanche dernier, commence la vie publique de Jésus, qui va être l'essentiel du récit des évangiles, et que nous allons suivre pas à pas tout au long de cette année, comme chaque année. Mais avant d'entrer dans le témoignage sur les enseignements du Christ et le récit des signes et des miracles qu'il a accomplis,
La liturgie nous propose une sorte d'étape initiale qui se constitue principalement par l'appel et l'agrégation des quelques premiers disciples autour de la personne du Christ. Si bien que dès le début de sa vie publique, Jésus ne se présente pas comme un être solitaire qui traverse les foules, mais comme le premier dans un groupe qui va prendre peu à peu de la consistance et qu'il va établir comme ses disciples. Si bien que nous qui sommes invités au long de l'année liturgique à participer au chemin du Christ vers Jérusalem, nous sommes invités aussi à entrer dans ce groupe des disciples, et il est donc bon pour nous de réfléchir quelques instants sur la manière dont se passe ce lancement de la mission de Jésus. Et je vous proposerai simplement quelques réflexions inspirées par les lectures que nous venons d'entendre. La première est sans doute la plus importante, consiste à prendre conscience de la manière dont la parole de Dieu et l'appel de Dieu atteint le cœur des hommes. Dans le récit du livre de Samuel, avec le style imagé qui est propre à ce livre, l'auteur nous dit que Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Alors il ne pouvait pas la reconnaître quand le Seigneur l'appelait dans la nuit. Il n'avait pas d'éléments de référence. En tout cas, il n'avait pas une connaissance suffisamment approfondie des manières de faire de Dieu pour se fier à sa seule interprétation. Et c'est par la médiation du prêtre Élie, qui lui, vraisemblablement, avait une meilleure connaissance des manières de faire de Dieu, qu'il va découvrir que cette voix qu'il entend dans son sommeil, ça n'est pas un rêve, ça n'est pas une autosuggestion, ça n'est pas une réminiscence, c'est un message qui vient du Seigneur et qu'il convient d'y répondre en lui disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais nous voyons dans l'Évangile que Jean-Baptiste joue le même rôle de médiateur par rapport à ses deux disciples qui vont se mettre à suivre Jésus en le quittant. En le désignant comme celui qui est l'agneau de Dieu, il donne une orientation, un signe à ses disciples. Vous savez que les artistes se sont donné beaucoup de mal pour donner une représentation visuelle de cette action de Jean-Baptiste et que l'un des plus célèbres le représente l'index tendu vers le Christ. D'autant mieux que ce geste et cette parole coïncident avec ce que Jean-Baptiste avait dit par ailleurs, qu'il était venu en avant pour préparer le chemin du Seigneur et qu'il fallait que lui grandisse alors que Jean-Baptiste allait diminuer. En tout cas, c'est par cette parole, « Voici l'agneau de Dieu », que Jean-Baptiste désigne le Christ comme celui qu'il faut suivre. Comme tout à l'heure,
au moment de vous appeler à recevoir l'Eucharistie, je vous montrerai le corps et le sang du Christ en vous disant : voici l'agneau de Dieu. Celui qu'il faut écouter et qu'il faut suivre. Mais ce mécanisme de transmission, de médiation entre l'appel de Dieu et le cœur de l'homme à travers des intermédiaires qui nous aident à comprendre et à accueillir l'appel de Dieu, nous voyons ensuite comment, avec les frères Simon-Pierre, le frère d'André, et nous savons par la suite de l'Évangile que ce premier appel adressé par André va se démultiplier dans leur entourage et que peu à peu, de proche en proche, ils vont devenir les uns pour les autres les intermédiaires et les médiateurs de cet appel de Dieu. Ceci éclaire notre propre manière d'être et notre propre manière de vivre. Il ne suffit pas que nous soyons convaincus de savoir ce que Dieu veut. Il ne suffit pas que nous nous soyons appropriés telle ou telle parole de l'Écriture pour qu'elle soit nécessairement parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Il faut encore que notre interprétation spontanée, notre sentiment premier soit confirmé, soit éclairé, soit renforcé par la parole d'un autre qui devient pour nous comme celui qui confirme l'origine divine de l'appel que l'on reçoit. La deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est à partir de la question que Jésus pose aux deux disciples qui se sont mis à sa suite. Que cherchez-vous ? Et c'est une question qui mérite que l'on s'y arrête un instant parce qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous dans notre relation avec le Christ. Il ne s'agit pas simplement de suivre Jésus parce que quelqu'un nous a dit c'est lui. Il s'agit aussi que nous soyons capables, du fond de notre cœur, d'exprimer ce que nous attendons de lui, ce que nous souhaitons trouver auprès de lui, ce que nous sommes prêts à faire pour être en communion avec lui. Que cherchez-vous ? Et peut-être que cette question pourrait utilement éclairer nos temps de prière. Quand on fait une grande retraite, on nous conseille souvent, avant d'entrer dans la prière, de formuler ce que nous souhaitons et ce que nous désirons. Qu'est-ce que nous attendons de cette prière ? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu ? Et de même, quand nous venons participer à l'Eucharistie, semaine après semaine, que cherchons-nous ? Que venons-nous faire ? Et plaise à Dieu que nous puissions répondre comme les disciples : Rabbi, où demeures-tu ? Que nous puissions exprimer ce désir de connaître le lieu particulier du Christ et la possibilité de l'y rejoindre. Ce que Jésus offre, et c'est la troisième réflexion que je voulais vous proposer, venez et vous verrez. Nous ne pouvons pas connaître le Christ, nous ne pouvons pas entrer en communion avec le Christ sans nous mettre nous-mêmes en mouvement. Jésus ne donne pas son adresse. Les disciples lui demandent « Où demeures-tu ? » Il ne dit pas « À Nazareth, à Capharnaüm ou à un autre lieu. » Il ne leur donne pas la solution qui leur épargnerait de le suivre
et de remettre à une date ultérieure la volonté d'être avec lui. Si nous voulons savoir où demeure le Christ, si nous voulons vraiment entrer en communion avec lui, il faut que nous nous mettions en marche, il faut que nous suivions son chemin, il faut que nous allions à sa suite, ce qui est la définition même du disciple. Ainsi, frères et sœurs, au moment où nous entrons dans cette année liturgique, avec la perspective de suivre pas à pas le chemin de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection, il nous est proposé non pas simplement de poser des questions sur ce qui va se passer, mais de nous mettre en mouvement derrière lui, de commencer à quitter nos idées, à quitter nos affaires, à quitter nos représentations pour aller et pour demeurer avec lui dans la communion. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis, en France, comptent 130 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation, c'est-à-dire l'hébergement, les études, la sécurité sociale, le pèlerinage, les retraites, la formation pastorale, est intégralement assumée par les dons des chrétiens. L'œuvre des vocations est la seule structure à financer nos séminaristes diocésains, et rappelons-nous qu'ils font 7 ans d'études. La quête d'aujourd'hui est destinée à leur formation ainsi qu'au financement de la pastorale des vocations de ces 4 diocèses. Nous vous remercions donc de votre générosité et de vos prières pour les vocations. Ceux qui le désirent pourront également faire un don personnel en utilisant, s'ils le veulent, le tract enveloppe qui leur a été remis ou bien qui se trouve à votre disposition dans les présentoirs au fond de la nef. Merci d'accueillir avec joie et générosité nos zélés bénévoles. Yes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Nous te le demandons particulièrement en cette semaine de prière pour l'unité, afin que tu convertisses les cœurs de tous ceux qui se réclament de ton nom pour faire grandir l'unité visible de l'Église. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sangaru, Pavulu, Merula, Aki, Pare.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Comme l'a déjà dit notre archevêque, cette semaine sera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en particulier jeudi 22 janvier à 20h30, nous sommes invités à la cathédrale métropolitaine orthodoxe grecque de France, rue Georges Bizet dans le 16e, pour une célébration œcuménique. Nous pouvons poursuivre notre dimanche et le début de notre semaine par ce voyage de compassion du pape François et donc notre union de prière avec lui et à toutes ses intentions et avec les peuples du Sri Lanka et des Philippines. Je vous rappelle que jusqu'au 2 février, vous pouvez venir vous incliner et prier aussi, vous recueillir devant notre crèche qui cette année est faite de santons de Provence. C'est autour du chœur sur le mur nord. Et ce soir jusqu'à 20h45, vous pouvez aussi venir pour ce nocturne de la crèche. Je vous rappelle avec force l'opération Chevet Notre-Dame tous les dimanches matin avec les bénévoles de l'Ordre de Malte, nous donnons des petits déjeuners aux sans-abri du quartier par le square Jean 23 au jardin du Chevet. Donc je vous rappelle cela parce qu'on peut prêter main forte, aider ses amis pour cette rencontre et ce moment de charité. Voilà, nous pouvons terminer notre prière. Avec notre archevêque, nous nous mettons debout. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.